L'Institut supérieur de la culture et des arts, en abrégé INSCA, a procédé le week-end dernier à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au lancement des cours d'initiation à l'indicamétrie. La cérémonie s'est déroulée avec une leçon inaugurale prononcée par le docteur André Déazon, président des docteurs en indicamétrie. Il s'agit d'une première formation qui permettra aux auditeurs de maîtriser les premières notions de l'indicamétrie. Les détails avec Ange Assémian et Richard Akeke. L'indicamétrie est une science inventée par le professeur Moustapha Diabaté, qui se définit comme la science qui corrige les limites des autres sciences. Mais quelles sont ces limites que relève l'indicamétrie? Elle peut servir de levier du développement du continent africain. L'indicamétrie vient de fournir la structure mathématique, scientifique et cognitive du cerveau, et elle montre que les différentes parties du cerveau humain fonctionnent en véritable symbiose. Le but de cette formation pour l'Institut supérieur de la culture et des arts en abrégé INSCA est de permettre aux étudiants de comprendre la science elle-même et son objectif pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. L'indicamétrie, à travers ses outils, son expertise, permet à chacun de pouvoir se connaître à tous les niveaux, donc avoir des informations dans chaque domaine de la vie. L'approche que nous avions, l'approche classique que nous avons pour solutionner nos problèmes, a présenté toutes ses limites, toutes ses failles. Donc l'indicamétrie vient avec une autre méthodologie, donc une autre batterie, pour pouvoir donner une solution individuelle et puis après généraliser du quotidien de chaque citoyen. Ce courant de pensée prend en compte tous les domaines d'activité, y compris l'éducation. Le conférencier Dr Déazon présente l'objet de ce premier cours inaugural. C'est un cours inaugural pour les sensibiliser par rapport à l'importance de la formation qu'ils vont suivre. Donc il y a un institut d'enseignement supérieur qui va organiser des cours d'initiation en indicamétrie. Et ceux qui veulent participer à cette formation ont été invités à suivre un cours inaugural sur l'indicamétrie pour qu'ils en sachent un peu avant d'entrer en formation. C'est ce cours-là que je viens de faire. L'indicamétrie, c'est une science. Vous êtes journaliste. Si vous étudiez l'indicamétrie, vous allez savoir ce que vous allez en faire. Cette première cuvée des apprenants sera formée en 6 mois, ce qui leur permettra de maîtriser les premières notions de l'indicamétrie et recevront à la sortie un certificat. L'Institut supérieur de la culture et des arts entend transformer le continent à travers cette science.